contingent d'éléments de la police nationale congolaise vient d'être envoyé à Uvira en appui aux policiers déjà sur place. Le ministre de l'Intérieur, Richard Manège, a assisté à leur embarquement à l'aéroport international d'Ndjili. C'est tout un contingent des éléments de la Légion nationale d'intervention, l'ENI, qui s'est déployé à la base militaire de l'aéroport d'Ndjili. Ces éléments de la PNC ont reçu des instructions claires du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Richard Muyej Mangezmans, venu assister personnellement à leur embarquement à destination d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Ce avec pour mission sécuriser les personnes et leurs biens sur la plaine de la Ruzizi, confrontée au banditisme et aux conflits intercommunautaires. Les commandants de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise, le colonel Sergei Ngoï Sengela Kyo, appellent ces hommes à la discipline. Nous allons à Uvira plus précisément. Et c'est pour une mission de sécurisation de la plaine de la Ruzizi. Il a été décidé par la haute hiérarchie d'envoyer une unité pour aller appuyer les unités de police territoriale du site Kivu. C'est pour une mission de sécurité publique que nous allons. Ça prendra le temps que ça prendra, mais que nous atteignons l'objectif de sécuriser les milieux. C'est à 9h précise, heure de Kinshasa, que les éléments de cette unité spéciale ont embarqué avec leurs effets à destination d'Uvira. Une mission persuasive et de sécurisation en renfort des unités déjà sur le terrain. Thank you.
Je vais vous montrer comment ça m'a téléphoné.